Salut à tous, ici le docteur et on se retrouve Dalek Mode. J'oublie le pour, voilà, j'oublie l'article parce que j'ai pas envie. Voilà, présentation Dalek Mode en improvite. Voilà, j'ai tellement gueulé qu'en fait j'avais pas envie de gueuler sur le truc le plus important. Donc voilà, ils ont mis en fait en ligne Dalek Mode en 1.8, mais c'est pas la version définitive pour l'instant. C'est toujours, en fait, c'est juste leur test qu'ils ont essayé. Ils ont testé en fait. Ils ont testé. Donc voilà. Hop. En fait, c'est les tests qu'ils ont fait sur Dalek Mode en 1.8. Et on va voir si ça marche. Enfin, si ça marche, oui, je sais, mais je vais vous faire la présentation. Si il veut bien. Allô? Allô? Que je vais faire une ellipse le temps de faire ça tout de suite. Donc heureux, en fait je sais pas trop d'où vient le problème. J'ai réussi à me connecter sans avoir allumé Fraps et sans. Enfin je sais pas, j'ai regardé dans les modes parce qu'il y avait peut-être un problème. J'ai rajouté Optifine, mais peut-être que je me suis planté, donc je l'ai viré et tout marche. Bon, je sais pas. Bref, donc Dalek Mode 1.8, voilà. Et pour pas vous montrer que je mens, regardez, il y a les blocs de l'1.8, il y a. En quoi encore, il y a ça, il y a ça, enfin bref, voilà. Donc comme ça au moins, vous êtes sûr que ce n'est pas un canular. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées, et il y en a qui sont pas encore mis. Parce qu'on peut pas dire qu'ils sont enlevés, étant donné qu'ils sont pas encore mis. Normal, vu que c'est qu'un début. Ils ont commencé à mettre le mode en ligne, donc, enfin à le faire. Enfin non, ils ont commencé, ils l'ont déjà fait. Bref, voilà. Donc déjà, important. Tout ça fait beaucoup. Hop, 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 hop. Je remontre tout, il y a même des choses que vous connaissez. J'ai commencé par le plus important. Fais chier, c'est pas grave. Donc déjà, regardez. Vous avez les Dalekanium. Alors, vous vous en souvenez? Modification. Alors, voilà, je les pose tous. Si on les mine, on récupère 4 lingots de Dalekanium. Voilà, donc ça, comme ça au moins. Si jamais vous allez sur Scarrow, vous êtes riche en Dalekanium. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, moi j'ai fait un sort de version 4, toi tu vas vite me gaver, t'inquiète pas, je vais te buter dedans, pas longtemps. Ensuite, avec ces Dalekanium, donc j'en ai un peu plus que prévu. Avec ces Dalekanium, vous pouvez faire plusieurs choses. Déjà, vous pouvez faire le magnifique bloc. Ah non, c'était fait exprès en fait. Le magnifique bloc, vous pouvez faire l'épée en Dalekanium, si j'arrive. Vous pouvez faire l'épée. Ça n'a pas de craft, même sans Dalekanium, ça n'a pas de craft. Je peux savoir pourquoi j'ai reçu une boule de slime. D'accord, toi tu viens de crever comme ça sans pression. D'accord, tu m'as même pas laissé te tuer. Autre chose rajoutée, bon déjà vous avez le style. Hop, voilà, bloc de style. Et vous avez aussi une épée en style. Donc c'est déjà, ça donne quand même un assez bon rajout. Pour l'instant, regarde, si vous voyez, avec le Dalekanium c'est la seule chose qu'on peut faire. Il n'y a pas encore les armures de rajouter. Et pareil pour le style, il n'y a que l'épée et le bloc. Donc pour, et le bloc, voilà, je vais y arriver. Pour l'instant il n'y a que ça. Ensuite, on repart Zayton. Isbreu, vous retrouvez encore du Zayton, ce truc qui ne servait à rien et qui, je confirme, ne sert absolument pas. Vous donnez 4, 3, 4, 3, 4 Zayton. Voilà, ça ne sert pas plus qu'à ça. C'est juste pour dire que ça en rajoutera un peu plus et que ça vous donne de l'XP. Mais en plus, vous pouvez faire des blocs de Zayton. J'en vois pas trop l'intérêt. Peut-être que ça va servir, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. Alors encore les crafts. Vous vous souvenez ce bon vieux craft de batte de baseball. Voilà. Il y a encore. Je vous remontre hein, tout ce qu'il y a. Hein. C'est vraiment tout ce qu'il y a. Et le Sonic Blaster qui n'a pas de craft disponible. Alors le Sonic Blaster, il est assez énorme. Ils l'ont extrêmement modifié. Mais extrêmement du style. Extrêmement. Regardez. D'habitude, quand vous faites clic droit, vous récupérez un bloc. Là déjà, vous avez une surface. On va éviter sur les panneaux, ça va casser un truc. Donc là par exemple je suis là, je fais clic droit, hop, ça fait disparaître, ça fait un joli trou. Et c'est pas tout, ça réapparaît tout seul. Donc pratique, ça peut même trouver la bedrock, donc ça je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Donc par exemple là admettons je suis pourchassé par ce magnifique slime qui me fait un peu chier. Hop, je passe par là, bonjour, je me casse. Et voilà, non, mauvaise idée, mauvaise idée. Et hop, tu ne mourras pas. Voilà. Donc très pratique pour échapper aux mobs ou à d'autres personnes. Voilà. Merci de repasser en créatif.
Ensuite, nous avons donc déjà ça, je crois que je vais tout me vider. Voilà, je n'aurai pas besoin. Je récupérerai pistolet sonic après. Nous avons le sur les planètes, nous avons des blocs. Donc ça, c'est le classique. Et ça, c'est les autres blocs. D'accord, je viens complètement d'inverser. Vous n'avez rien vu, ceci n'est pas un fail. Voilà. Donc nous avons les blocs de classique. Sur classique, il y a des blocs. Donc tous ces blocs. Enfin, pas sur classique, les... Enfin, vous voyez marqué classique wool. Ouais, classique wool, c'est la laine de classique. Mais c'est pas des... Enfin... Ils sont pas trouvables sur la dimension. Enfin, du moins, pas encore. Donc oh, je vais juste vous aligner ça. Hop, 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 hop. Hop, bon, tu sais quoi, toi tu dégages. Pour l'instant, on n'a pas besoin de toi. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, tout ça c'est le bug de laine. Il y en a bien plus que le nombre, je crois, de colorants. La 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, c'est bon, en fait, il y en a autant que les colorants. Ensuite, vous avez toujours ces vieux trucs là de rajouter, qui sont toujours. Vous avez l'herbe. Wow, pourquoi ça me fait laguer quand je l'ai dans la main? D'accord. Vous avez l'herbe, vous avez la cobble avec la cobble moussue, vous avez le gravier, vous avez les feuilles, vous avez les minerais d'or, vous avez les blocs d'or et les blocs de fer, et la brique. Voilà. Ça, c'est le grand classique. Oui, j'ai fait exprès. Maintenant, nous avons ces blocs, des briques qui sont rajoutées. Hop, énormément de briques. Je vois pas trop l'intérêt non plus dans ce truc de rajouter des briques. Mais ça peut donner un certain style. Ça aussi, c'est purement décoratif. Impossible à crafter. D'accord. Voilà, là, vous avez une variante de stone, de briques. Vous avez la brique normale et la brique craquelée de chaque... Enfin, de chaque, je sais pas, de chaque quoi en fait, je sais pas trop en fait le rapport en fait. Vous avez ça, ça. Enfin, voilà, si jamais vous faites un truc avec du prisme marin, que vous voulez mettre des briques pour mettre des prismes marins en briques, vous pouvez, ça ressemble à du grès. Peut-être que ça se créera avec du grès, avec du prisme marin. Ça, c'est les trois variantes, le craquelé, le moussu de la brique normale. Ça, je sais pas trop. C'est une brique plus ou moins normale, enfin, voilà, vous avez les variantes. Ça, c'est la brique fait en pierre, je dirais. Enfin, voilà. Vous avez plusieurs variantes de briques, donc ça peut donner une énorme variété de styles de blocs différents qui ne sont disponibles qu'en créatif, étant donné qu'on ne peut pas les crafter. Voilà, ça c'est fait. Maintenant dans les planètes. Alors, les planètes, comment vous dire que... voilà. Comment vous dire? Vous avez la lune, tous les moon rocks qui sont disponibles. Vous voyez tous ces jolis petits moon rocks. Vous avez... ça qui était déjà disponible avant, et ça on va en revenir après parce que ça change pas beaucoup. Donc toujours les mêmes blocs, je les remontre, on va les mettre là, voilà. Gallifrey Grass, Gallifrey Dirt, Gallifrey Leaf, Gallifrey Sand. Je lag énormément, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas parce que j'ai des feuilles, non. D'accord, je sais pas par contre si le Gallifrey Sand, si il tombe, d'accord, comme ça moi je suis fixé. Gallifrey Rock, Gallifrey Stone, on pourrait changer. Ça c'est la Gallifrey Stone, et ça c'est de Mars. Là nous avons Gallifrey Sand, pas Gallifrey, Mars. Ah, on va y arriver. Voilà, bon. Pour l'instant, je vais m'arrêter là pour eux. Ensuite, la lune. On commence les blocs de lune avec le premier Moonrock. Oula, alors là, je sens que ça va être un peu chiant. Et voilà, il a fait. Moonrock. Beaucoup de variantes de Moonrock. Vous allez voir ça quand on va sur la lune, c'est énorme. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons fait la première ligne. Deuxième ligne. Et voilà. Allez, encore une autre ligne de Moonrock. Aucun sont pareils. Ce n'est jamais le même. Et on finit par le cheese. Qui est, je rappelle, le fromage. Qui se trouve sur la lune. Bon, là, qu'on ne retrouve pas, mais... voilà, il ne se trouve plus sur la lune. Ensuite, bon, ça c'est les grands classiques, j'ai envie de dire. Des trucs qui existaient déjà avant et qui existent toujours. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Donc, Cave Game. Ça c'est le granit de Trenzalore avec Trenzalore Rock.
Scaro Sun, Scaro Stone, Omicron Percy 8, Rock, il y a les deux variantes, le Silicate qui se trouve sur Europa. Voilà. Ensuite, on a fini ces coffres. Je vais les casser parce que hop, 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 hop. On n'a pas fini, il manquait ça. Voilà, comme ça, ça nous permet de savoir si on a fini ou pas. Donc vous avez toujours le green screen qui se voit toujours aussi bien la nuit. Hop, voilà, mais on va quand même remettre le jour. Le lamppost qui est disponible comme ça en bloc brut. Pas obligé de passer par notre item. Voilà, pas obligé de passer par notre item, même s'ils y sont toujours. Hein. Voilà, vous avez... Attends, je veux pas trop gâcher un peu ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous avez? Ils sont... Vous avez les lampes-postes. Ah non, vous avez plus. Ben non, vous avez plus. Donc les lampes-postes où il y avait la section du bas plus la section du haut, en fait, il fallait les assembler. Bon, voilà. Dalek Pumpkin, bon, qui change pas trop. Et vous avez toujours ce truc avec marqué Missing Model comme ça. Plus des pixels roses, plus des pixels de toutes les couleurs. Voilà, bon, ça, je sais toujours pas comment ça marche. Je ne sais pas le faire fonctionner non plus. Et j'ai jamais cherché. Voilà, comme ça, c'est clair. On va enlever. Hop. Ça, parce que je veux pas que vous voyez la suite. Oui, le village PNG est désert, c'est fait exprès. Absolument pas. Bref, on commence avec les habits. Donc, tout ceci, il y a beaucoup de choses qui existaient déjà. Et d'autres qui ont été rajoutées. C'est plutôt pas mal aussi qu'ils rajoutent des vêtements. Surtout les combinaisons. Donc voilà, je vous montre grosso modo. Ça existait déjà. Ça existait déjà. Le truc du premier, la veste du troisième. Les lunettes 3D du 10e, les lunettes du 10e, le nœud pape, toujours aussi qu'on doit se le garder. Le chapeau du 7e docteur, l'écharpe du 4e, le gaz masque qui existe toujours, le fess toujours aussi cool, il n'y a plus marqué This item is cool, c'est dommage. Voilà, ensuite on va commencer avec la combinaison spatiale de la Sweet Team. Voilà, parce que vous avez envie de faire un peu de lol, parce que là il y a d'autres combinaisons spatiales. Déjà, il y a la veste du 2e docteur. Il y a quoi encore? Il y a le chapeau du 4e docteur. Toujours ses vêtements. L'appui du 6e. Le haut de forme, je crois. La traduction exacte. Il a un peu changé la texture. Là. Un chouïa a changé. L'ice jacket. Le Stetson. Voilà, je ne sais plus la prononciation. Désolé. La combinaison du docteur. Pour aller sur Mars. Ou sur... La combinaison spatiale, quoi, en gros, pas que pour aller sur Mars. La combinaison de la NASA. Voilà, aussi, ils ont fait un petit lol. Ou alors, non, c'est parce que, oui, non, c'est vrai, ça y est aussi, parce que l'épisode où le premier homme marche sur la Lune, donc oui, ça y est. Et vous avez la NASA en orange, voilà, pour aller avec le truc de la combinaison du docteur. Alors, je vois sur la combinaison, sur tous les morceaux de combinaison que vous pouvez voir, il y a marqué « Keep your safe from the acid rain ». Donc, en gros, te garde safe. Enfin, te garde en vie quand il y a une pluie d'acide. Be warning. Fais attention. Non. Warned. Ouais, un truc dans le genre, comme fais attention. La pluie d'acide peut endommager your suite. Suite, je dirais que c'est la combinaison. Ouais, voilà. Space suite jacket. Donc, c'est ça. Donc, en gros, si jamais il y a des pluies d'acide, ça peut te bousiller l'armure. Mais pour l'instant, on voit pas de pluie d'acide. Donc, c'est pas intéressant. En bas, les mobs, on attaque les mobs parce que c'est assez important. Tous les mobs qui sont rajoutés et ils sont tous transformés en tête, comme pour les Daleks. Donc, c'est à dire que vous n'aurez plus d'œufs, donc vous ne pourrez plus les faire spawner. Toi, on va t'échanger. Hop, voilà. Et après, ça passe aux Daleks. Bon, de toute façon, on va d'abord commencer avec ça. Alors, vous avez le classique Cyberman, mais c'est sûr que. Voilà, le classique Cyberman, qui ne fait pas de bruit. Le Cyberman, le Cyber Villager et le Teens Planet Cyberman. Voilà, comme ça c'est fait. Et il me reste le Cyber Leader à vous montrer. Le Cyber Leader, voilà, qui dispose aussi de 40 points de vie comme les autres. Il dispose de 20 points de vie. Ils disposent tous de 20 points de vie. Et celui-là, il ne fait pas. Il ne fait plus spawner de Dalek. De Cyberman. Voilà. Je vais juste vous montrer. Attention, un petit villageois, tout le monde va les attaquer, bien sûr, ça existait déjà. Il y a juste une petite nouveauté qui a été faite, s'il veut bien la faire. À mon avis, ils vont pas vouloir. Non, ils veulent vraiment pas.
Non, ils veulent vraiment pas, ils veulent les attaquer. Wow! D'accord, ils veulent pas. Bon, ils veulent pas, tant pis. Alors, dans ce cas, on va faire la suite. Bon, j'y reviendrai après, hein, parce que faut que je montre aussi avec les Daleks. Ça marchera peut-être mieux avec les Daleks. Donc, les Autons. Auton A, Auton B, Auton C, Auton D. Auton D, donc voilà. Après, qui tire toujours laser, hein, et qui essaie de tuer les villageois. Mais ça, c'est pas... Enfin, tuer les villageois encore, ça existait, je crois, avant. Dans les anciennes versions, on a 7-2 ou on a 6-4, ou les deux. Ça existait déjà avant, donc rien de bien... Enfin, voilà, rien de nouveau. Ou alors, peut-être que ça a été enlevé, donc... voilà. F de villageois, on va garder. Hop, voilà, ça rentre pile. Ça, c'est le E, c'est ça. E, F, G, H... Bon, après voilà, c'est juste une... les costumes qui sont différents. Après, ils ont tous un point de vie, ils font tous mal, enfin ils tout shot, ils enlèvent 10 points de vie. Les lasers enlèvent toujours 10 points de vie, hein, que ce soit ceux des Daleks ou ceux des Autons. Donc voilà, les Clockwork. Donc maintenant vous en avez 3. Bonjour, je sais pas s'ils attaquent les gens. Attaquerait-il les gens, les villageois? Bon, je crois, oui. Oui, ils attaquent les villageois. Ils posent 20 points de vie, comme ils se sont fait tout shot. Voilà, donc comme ça on apprend des choses. En gros, tous les mobs de Dalek Mode veulent s'attaquer aux villageois. C'est tout ce qu'on a à apprendre là-dessus. Hop. Donc vous avez la dipose, hein, qui a toujours 20 points de vie, je pense. Je sais pas, parce qu'on a plus de tournevis. Hein. Ils ont pas pensé à remettre les tournevis. Donc voilà. Du coup, un petit child qui dit toujours ça, avec plusieurs versions. Voilà les trois autres versions qui existaient de. Des entités, non, des comment ils appellent ça, comment ils appellent ça, les ah, j'ai oublié. Bon, enfin bref, pas les anti-child, mais les lui là, les comme ça. Voilà, ensuite vous avez les variantes, oui, les variantes à partir du D, E et F, variantes des villageois. Ils continuent F, F, G, H et I. H, I, donc là vous avez toutes les variantes pour les villageois. Et toujours pareil, s'il y a un villageois, ils vont tous, là c'est sûr, ils vont vraiment tous s'attaquer aux villageois. Les petits villageois et tout le monde. Si belle. Voilà. Et c'est pas fini. Vous avez toujours ce joli Ice Snowman, enfin ce Snowman plutôt, Ice Snowman, Snowman, qui attaque les villageois. S'ils veulent bien. Il aurait décidé de faire la grève de... Non, il attaque. Voilà. Vous avez un nouveau Snowman qui a la tête qui sourit. Qui aussi attaque les villageois. Normalement. Ouais. Je crois qu'il se déplace même. Pour attaquer les villageois, je crois qu'il se déplace. Non, non, j'ai rien dit. Et vous avez toujours l'Ice Snowman. Bon, voilà, hein, toujours aussi YOLO. Lui, il se déplace par contre. Il va savoir pourquoi. Toi tu te déplaces, toi tu te déplaces, même si tu te déplaces. Déplacer. Bon bref. Voilà. Hop. On reprend l'œuf du villageois parce que. Non. Non, pas encore. Pas encore parce qu'on va foutre le bordel sinon. Alors, du coup. Les Daleks. On prend tous les Daleks. Yeah. Là, on prend le A. Voilà, c'est bon. Dans cet ordre, ça sera mieux. Donc, vous avez toujours les mêmes Daleks. Hein. Voilà, Special Weapon, Asylum, B. Donc là, vous voyez qu'il va s'attaquer au... pas au Dalek, au Cybermen. Il va s'attaquer au Cybermen. Et les Autons s'attaquent aux Daleks. Alors que les Daleks ne s'attaquent pas aux Autons. Donc, ce qui fait que les Autons sont plus puissants, entre guillemets, que les Daleks. Vu que les Daleks vont pas attaquer les Autons. Les Autons sans tir sur les Daleks. Ouh, j'arrive pas. Voilà le Special Weapon de base, le Suprême Dalek. Vous remarquerez aussi à ce niveau là qu'ils ont une animation au niveau des membres. Que ce soit l'œil, le membre, la tige oculaire, ou le canon, ou l'autre. L'Under Special Weapon. Alors l'Under Special Weapon, il a une différence
c'est que déjà ils ne se téléportent plus. Et pour tous les Daleks, ils ne prennent pas de knockback. On prend même pour les anciens. Voilà. Même pour lui. Hop. Et pareil pour les prochains. 60 Daleks. Bon ben voilà, on a des différents après pour le même. Ils ne prennent pas de knockback. Aucun changement. Là, c'est juste vraiment le. Comment appeler ça ? Juste le fait qu'ils bougent les armes, que ce soit un peu différent. Et qu'ils ne prennent pas de knockback. Donc après, hop, hop. Voilà, on va essayer. Ils font quand même l'animé sans les autres. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ensuite, au passage, on va en revenir, mais il y a toujours ces statues, donc je les montre comme ça, hein, c'est toujours les mêmes. Qui ne peuvent pas se crafter, bien sûr, mais qui sont toujours disponibles de la même façon. Hop, 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 voilà, hein, toujours pareil, qui se trouve toujours au même endroit. Je fais un peu tout dans le désordre en fait, hein, c'est bizarre, mais qui se trouve toujours ici. Voilà, une dernière chose, voilà, vous voyez, là vous avez les dimensionnels blocs, là vous avez le gadget pour un Sanguinakien, vous avez toutes les variantes du TARDIS qui sont derrière moi. Bloc TARDIS, on verra après, là c'est tous les mobs qu'on va voir, les vêtements, et voilà. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses de rajouter, c'est déjà un début. Là-dedans, il n'y a plus rien. Là, on fait passer les derniers Daleks. En fait, il n'y a que deux Daleks qui sont rajoutés. Mais deux qui sont enlevés. Il n'y a plus l'Empereur, le type de Turin Empereur Dalek. Il n'y a plus non plus le Storm. Eternal, Suprême, Drone, Satellite. Là, après, hop. Pareil, ils bougent pas trop, enfin ils font pas. Là ils sont allumés, hein, mais voilà. Ensuite, Stratage, Black, Movie Blue, Red Black, Red Black, Movie Red, Gold et ah oui, le Gold il a un carré rose, mais on a fait au niveau de son œil. Ah oui, un petit fail, il marche pas. Bon, voilà. Hop. Non, je ne suis pas ta maman. Je dois dire ça, je sais pas pourquoi. Alors, le stone qui a une meilleure. Qui a sans doute à quelque chose. Déjà. Vous remarquerez là. Bon, là, il y a la texture qui bug un peu, mais pas trop grave. Mais là, il a le truc du contour, pas comme pour lui par exemple. Il fait vraiment. On a vraiment l'impression qu'il fait partie de la nouvelle génération d'Alec. Ce qui est normalement le cas. Donc, il a été un chouïa modifié. Imperial Regenerate. Bon, voilà, rien de plus. Voilà, 80S. Nether. Ender, Suicide, qui font toujours aussi mal. Bon, lui, il va pas vouloir. Pilote qui est devenu ingérable parce qu'il ne peut pas vous tirer dessus. Voilà. Bon, attendez. Je vais me débarrasser d'eux. Voilà. Donc les pilotes, ils ne peuvent pas vous tirer dessus, donc du coup il va vous attaquer au corps à corps, mais il a une distance de 3 blocs pour vous attaquer, c'est-à-dire que d'ici ils peuvent vous attaquer. Donc ça vous fait reculer, lui il avance et du coup vous pouvez pas le toucher. Donc c'est ingérable si jamais ils sont 10. Je vous montrerai ça après. L'invasion qui n'a pas bougé, littéralement parlant. Et il nous en manque 3. Ah, dont 2 nouveaux. Donc vous avez le suprême contrôleur d'Alec. L'invasion suprême contrôleur quoi. Vous avez le fluffy d'Alec. Qui est un peu... Yalla, oh. Je connais pas sa puissance. Je sais pas s'il fait mal ou pas. Je pense pas, hein, mais c'est pareil. Mais bon, voilà. C'est un peu le YOLO. Et le Gralexian Dalek. Lui, je sais pas trop non plus la référence. Il y en a une, hein, il me semble avoir vu une fois un Dalek vert et gris. Donc c'est possible que ça vienne d'un film ou de juste d'une image ou d'une animation. Donc voilà. En gros, c'est pas... Enfin, c'est un Dalek. Quoi. C'est juste un Dalek avec une nouvelle texture. Donc maintenant, je vais vous montrer un truc. Prendre ce Cyberman. Si je vois Cyberman, regardez. D'accord. Si je vois Cyberman, regardez. Il lève le bras. Et il peut tirer. Bon, on va foutre une armée de Cybermen. Et il peut tirer. Donc comme ça donne une deuxième fonction au Cybermen. Ensuite, vous l'attaquez au corps à corps, ça sera encore plus mal. Parce qu'ils enlèvent quand même 10 points de vie en tirant de loin.
Donc c'est toujours mieux que d'envoyer deux carignes comme un zombie. Deux carignes comme un zombie. Voilà. Bon. Alors maintenant, on repasse en difficile. Bon, faut pas trop l'intérêt non plus, mais voilà, vous allez voir.